Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be yours. Bon matin, papou. Pas dormir beaucoup toi aussi, hein? Non, avec les drisses, avec les enrouleurs de voile, pas de voile, avec tous les bateaux alentour, avec du vent, ça fait un bon petit mélange de bruit. Ah, la vie du marin. Si je veux pas avoir de l'air trop d'un bachelor, puis qu'on pile la vaisselle. Aujourd'hui, je vais m'arranger pour avoir de l'eau. Nettoyer les tanks, enlever l'antigel qu'il y a dans les tanks, puis nettoyer tout ça comme il faut, pour que j'aie d'eau en fin de la journée. C'est une course à obstacles, juste se rendre au tank. Oups, c'est trop noir ici. On voit pas bien. Fait que vous venez tous de voir où ce qu'on stache nos maps. On a des vieilles maps en papier. Les Antilles. On les a gardées. C'est un de les avoir. Si on n'oublie pas qu'ils sont là, on va s'en référer une journée, mais qu'on s'est rendu dans ce coin-là. Pas si pire. Chance que l'accès était de ce côté-là, où j'ai pas été obligé d'enlever toutes les choses de l'autre côté pour y avoir accès. Donc là, je vais aller remplir les tanks, partir ma pompe à eau, puis souhaiter sur Faceit de pas la faire surchauffer comme la dernière fois. On a flashé les tanks, puis là, la pompe, elle a un protecteur. Elle se ferme après un certain temps, quand elle fonctionne trop longtemps, fait qu'elle surchauffe, elle fermait. On pensait qu'elle était finie, mais on pensait qu'elle avait brisé, mais dans le fond, c'est juste qu'elle avait surchauffé, on l'avait sélérené trop longtemps. Fait que là, on va aller plus tranquillement un peu. On va faire un bon petit flush. On va être de l'eau propre. Pour notre vaisselle, ma femme va être fière de moi. C'est un peu touché rentrer. Je garde la porte là parce que je veux pas que le matou sorte de. On l'empêche un petit peu de vouloir s'aventurer un peu plus loin. Hey, il check ça. Ouais, y a-tu de l'eau dans le tank? Bien sûr, y a de l'eau. On va partir notre groupe d'eau. La pompe fonctionne, merveilleux. Et à cette heure, il va être de l'eau rose qui va sortir. Ok, oui. Chaude. Ça va être un peu plus long, on va tremper la tank complet. Je l'ai vidé tantôt. Il y avait pas mal d'antigel dedans, je l'ai vidé, fait que le temps qu'elle se remplisse. Gros. Ça sent, hein? Ça sent le détergent. Ça l'arrête, ça va être bon signe. Est arrêté! Ça veut dire que les boyaux sont étanches et sont chargés. L'instar va me rester la chambre de bain à accéder. Puis j'ai la douche dehors aussi que je veux purger. Ah, ça envole partout, c'est très bien ça. Calique. Quel bordel. Ça peut bien nous coûter cher dans la tigelle. Oui, il y a l'autre boyau parce que ça sort longtemps en rose. Ça va être la dernière fois.
Je vous le jure, c'est la dernière fois qu'on hivernise le bateau. On est obligé de mettre de l'antigel dans les boyaux. C'est fini ce temps-là. On va mettre du rhum à la place. Okay. Surprise! J'ai hâte de prendre une douche là pour me rincer l'eau salée sur le corps. Ça va être the ultimate achievement. Je suis rendu là. Même si l'eau est pas. Ici, c'est pas super potable, il reste encore un peu d'antigel dedans. C'est pas toxique l'antigel. Je vais pas la boire, là, mais ça va être en masse pour laver la vaisselle et me laver moi-même. Pour boire, je remonterai de l'eau de la hausse directe. En attendant que l'eau coule, je vais faire un peu de ménage. Ben, pas du ménage, du placement. Je vais placer du linge. J'ai à peu près tout le linge à Marie ici. Ouais, fait que je vais commencer à placer ça, on va nous faire un peu plus d'espace à fonctionner. Dans le fond, je viens de réaliser qu'il y a autant de linge à moi puis à Marie. Donc, on va commencer à les placer au complet. On va placer ça à la méthode d'un homme. Vite fait, bien fait. Dès qu'elle amène trop de linge. Je ne vois même pas que la moitié du linge qui est là. Pour l'instant, le but c'est juste de faire de la place. Rentrer du linge là-dedans. Son beau poncho qu'elle avait tellement honte de porter. Après d'avoir flashé les tanks une couple de fois, ça sent encore un peu, mais je pourrais pas. Je vais arrêter de perdre mon temps avec ça. Ce que je vais faire, je vais laisser les tanks pleines d'eau. Je vais les utiliser pour laver la vaisselle, pour me laver. Puis pour boire, ben je vais aller nous chercher de l'eau dans une petite bouloir. Puis on va pouvoir à ce niveau-là. Fait qu'en attendant, avec les tanks, ça est vide au complet. À ce moment-là, je vais aller les nettoyer à la main. Après ça, je vais mettre de l'eau de Javel, un petit bouchon. Pour les nettoyer. Ça va être la meilleure solution parce que là, on dirait que je fais juste remplir les tanks, vider et remplir, puis ça sent encore. Ça broute un peu, tu vois qu'il y a encore de l'antichill dedans. Mais fait qu'en le passant comme ça, je vais arrêter de pas mon temps. Je vais passer à d'autres choses parce que on a de l'ouvrage rien qu'en masse. Mais le challenge, ça va être tout de rentrer tout ça dans le V-Birth pour que je puisse faire une petite place pour souper. Je pense qu'on devrait se coucher tout de suite. Ah, je pense que t'attends juste ça. On va se coucher. Yeah, on va se coucher.